Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans le premier tome de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver. Il y en a 4 en tout de tomes, écrits par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est donc l'histoire d'Ophélie, une jeune fille qui a le don de passer d'un endroit à un autre grâce au miroir, à condition de rester sur de courtes distances, et elle peut aussi lire le passé des objets. Un jour, elle va être fiancée malgré elle à un homme d'un autre clan que le sien, ce qui va l'obliger à quitter sa famille et le suivre à la capitale du pôle. Mais malheureusement, une fois arrivée là-bas, absolument rien ne va se passer comme prévu. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. Je redécouvre cette saga, je la trouve passionnante, j'étais vraiment plongée dedans au point de me sentir à la place d'Ophélie et comme Ophélie, les moments où j'avais de la pitié ou alors de l'admiration pour elle. Je sais pas si ça vous arrive aussi quand un livre vous plonge, vous êtes plongé dedans à ce point-là, si vous ressentez les mêmes choses, les mêmes émotions, n'hésitez pas à me le transmettre dans les commentaires si c'est aussi votre cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le petit rectangle rouge juste en bas de la vidéo et la petite clochette juste à côté qui activera les notifications et vous permettra de ne rien rater des prochaines sorties. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye !